de Jean, chapitre 11, verset 40, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est une histoire qui est très connue. C'est une histoire que en pile nous nous habitués avec histoire ça. Histoire ça, l'y traduit une réalité extraordinaire. Et n'a très bref dans méditation que n'a fait dans texte là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une question que Jésus lui-même lui t'a posée. Jésus t'a trouvé face à une situation. Une situation, moi t'es capable de dire qu'il était désespéré. Une situation côté que famille ça qui était dans situation ça, les patois qui côté d'après le sorti qui porte de sortie qui t'a gagné. Nous connaissons histoire là, c'est histoire de Lazare qui était mouru et qui était déjà enterré, qui était gagné plusieurs jours dans le tombeau. Et Jésus t'est venu t'a parlé avec ce Lazare pour te dire, est-ce que m'a dit si vous croyez, ou capable de gloire mon Dieu. Et m'veux parler avec un monde captain de pour moi dire que dans ça où y a situation à traverser ya, si vous croyez, si vous faites bon Dieu confiance, si vous quittez Jésus fixé sur Jésus, dans situation que vous avez traversé ya, vous capable de gloire bon Dieu cap manifester au travers de situation ça. Une situation qui vient sur toi en tant que serviteur de Dieu. En tant que servante de Dieu, situation pas innocente, c'est une situation qui présentait pour que gloire bon Dieu capable manifester dans la vie ou dans un autre niveau. C'est une situation qui présentait pour que bon Dieu capable paraître vivant dans la vie ou pour Dieu paraître réel dans la vie ou. Ouais pour gloire bon Dieu. Question. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, vous pouvez gloire à Dieu. Maintenant, question, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Depuis vous croyez, vous pouvez gloire à Dieu. Question, est-ce que vous croyez? Je viens de dire dans un moment ça. Je ne sais pas qui sont à traverser. Je ne sais pas qui sont la vie ou à connaître. Je ne sais pas qui coupe. Qui est dans la vie actuellement. Mais moi, je viens de dire où yon bagay. Ou besoin seulement croire. Et on va avoir la gloire de Dieu dans la situation là. Moi, je viens de dire où yon bagay. Ou besoin seulement quitter Jésus ou fixer sur Jésus. Et on va avoir longueur pour y être éternel. Ou va avoir comment l'éternel a agi dans un niveau sans pareil. Dans un niveau extraordinaire. Dans un niveau pas de jambes pensées. Dans un niveau pas de jambes imaginées. Personne pas imaginer si Lazare t'a ressuscité. Parce que l'intégrité était pourri déjà, l'intégrité était commencé par odeur déjà. Mais Jésus t'a dit depuis où quoi, ou après gloire bon Dieu. Et très certainement Lazare qui t'a gagné 4 jours dans ton tombeau, Lazare il était ressuscité. Par contre, qui situation qui devant qui paraît impossible. Qui ne cas qui viennent devant, qui c'est des cas, selon vous-même, qui c'est des cas impossibles. Résurrection Lazare, c'était un cas impossible. Mais bon Dieu n'a servi à. Lui, c'est le Dieu des cas impossibles. Cas qui impossible, cas qui compliqué, cas qui difficile, cas pas de personne qui a fait intervention là-dedans. L'Éternel des armées, lui prêt pour intervenir dans une situation compliquée, nous. L'Éternel des armées, li prêt pour intervenir dans une situation compliquée nous yo. M'pa konn ki situation compliquée ou à vivre dans moment ça.
Je ne sais pas quelle situation qui paraît, ou pas contre à qui crier, à qui relé, ou pas contre qui ça pour faire, ou pas contre qui est pour relé, ou pas contre si pour relé tonton, si pour relé ma tante, si pour relé les amis. Et là, tu as relé, ou pas besoin de réponse.